Alors nos visiteurs ici prennent ce chemin forestier, le parking est quelque peu isolé pour protéger ces espaces, et puis ils débouchent dans cette vallée et ils ont l'impression d'être hors du temps. Cette vallée, et c'est la source, on l'entend un petit peu, cette source miraculeuse, magique, qui dès la préhistoire, il faut imaginer les troupeaux de rennes qui descendaient des plateaux, venaient s'abreuver à la source et pouvaient paître, et les hommes avaient la viande, l'eau et la possibilité de s'abriter. Et le site, on ne le voyait plus. Il était totalement envahi. Il a servi de carrière de pierre, abandonné fin 16e. Et donc, la forêt le recouvrait entièrement. On ne distinguait qu'à peine le haut du clocher-mur qui est derrière moi. Et donc, c'est vrai que depuis donc 50 ans, eh bien, je m'acharne et ma famille à le sauver. Il aurait complètement disparu. Et la particularité de ce site, voilà, c'est l'étalage de l'histoire de l'homme, de notre histoire à tous, sur des milliers d'années. La grotte préhistorique du Magdalénien jusqu'au haut Moyen-Âge. C'est une belle justice que nous rend le jury, le grand jury de ce trophée de la plus belle restauration qu'on vient de remporter. Vraiment, la restauration et le sauvetage de ces grands corps de logis est un nouveau virage, une nouvelle étape pour le château de Comarque, pour nous tous. Et on a maintenant le plaisir de pouvoir présenter à notre public, nos visiteurs, et au plus grand nombre de grandes salles restaurées avec des artisans hors pair qui ont œuvré pendant plus de 2 ans. Donc oui, c'est une belle justice rendue à ce site, à notre famille et à tous les prochains visiteurs qui auront la chance de le découvrir. Et le site de Comarque, il a été habité de la préhistoire jusqu'au XVIe siècle. Ça a été un lieu de vie. Donc à partir de ce constat-là, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux visiteurs de vivre des expériences quand ils viennent ici. Donc on s'y prend de différentes façons. On a des visites guidées. Ensuite, on a des expositions. Par exemple, la dernière en date, c'est on a réintroduit la préhistoire au cœur de l'histoire en proposant une salle et une scénographie complète sur la grotte préhistorique avec un film 3D, des ateliers. On a également des ateliers qu'on propose, notamment celui du tracé pariétal pour rester dans le thème de la préhistoire, avec vraiment cette recherche du geste originel, mais il y en a plein d'autres. On a également des soirées, donc Cluedo, Murder Party, Escape Game, pièces théâtralisées et plein d'autres. On a de l'événementiel, pas mal, beaucoup, ça se développe de plus en plus, de l'événementiel, des séminaires. Et puis en fait l'objectif c'est de rester à l'écoute vraiment des attentes des visiteurs, de se renouveler quotidiennement, donc les projets foisonnent, les idées aussi. Et voilà, c'est un partage, c'est une connexion vraiment avec les visiteurs qui viennent ici.